c'est chaud. Hein? Connectez-vous. C'est parce que je bois le thé que j'ai chaud. Comme je bois le thé, j'ai très chaud. Connectez-vous, connectez-vous, partagez, partagez, partagez. On a beaucoup de travail. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Normalement, je ne voulais pas faire le live pas avant samedi. Mais comme vous le savez, je dois faire cette petite sortie pour... je dois faire cette petite sortie pour remettre quelques pendules à l'heure. Je vous ai dit que c'est moi qui gère mes sorties. C'est moi qui gère. C'est ce que je parle que tchap tchap se lève, elle sort. Si je ne dis rien, elle va sortir avec quoi? Hein, tchap tchap? Si je ne sors pas, tu vas sortir, dis quoi? Tu marches sauf que à mon rythme. Et c'est moi qui ai commencé et c'est moi qui va fermer les hostilités. C'est de ça qu'il s'agit, ça ne chauffe pas. Ce que je veux, c'est que tu donnes les papiers à Sylvain. Moi, je ne suis pas dans autre chose. Hein. Rien d'autre ne m'intéresse. Bring bang papier à Sylvain. Point à la ligne. Crio, insulto, fais tout haut. On est focus. Bring bang papier. Donne les papiers à Sylvain. C'est ça. Le reste nous. Je t'ai dit que je ne veux pas faire le clash avec toi sur ce sujet. Parce que je n'ai pas envie de perdre ma crédibilité. Et je n'ai pas envie de perdre la confiance que les gens me donnent pour venir parler de cette histoire. Si je commence à faire dans la vomissure, si je commence à faire dans les insultes, je vais perdre de ma crédibilité. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Philippe, bonjour. Je vais perdre de ma crédibilité. Donc, je dois avoir la tête sur les épaules et la tête froide. Toi, tu es une sauvageonne. Si je joue à ton jeu, c'est moi qui va perdre de la crédibilité. Je ne joue pas à ton jeu. Si tu veux... Quand tu auras donné les papiers à Sylvain, si tu veux, on commence le clash. Parce qu'il aura les papiers, il sera à l'abri. Je ne veux pas que tu te serves de mes sorties pour annuler le mariage que tu as prévu en octobre. Rosette Alessandre, bonjour ma soeur. Suzanne Eyenga, bonjour. Chantou, Chantou, bonjour. Bonjour, bonjour. Partageons alors, on part sur les partages parce que je n'en ai pas pour long. Je n'en ai pas pour long. D'accord? Je n'en ai pas pour long. Et j'ai tellement de dossiers. J'ai tellement de dossiers. Bon, on entre déjà dans le week-end. Donc on aura tout le temps de bien danser dans les dossiers. On aura le temps. C'est le week-end. C'est vendredi, tout est permis. Donc, je peux faire les directs même jusqu'à 3h du matin. Tchap tchap, tu ne dors pas. Hein? Tchap tchap. Tu ne dors pas. Tu es seulement couché sur ma page. Il y a quoi? Il y a quoi sur ma page? Qu'est-ce qu'il y a sur ma page que tu dors sur ma page comme ça? Pourquoi tu viens casser le nom sur ma page? Je n'ai pas partagé les vidéos là. Tu viens dormir sur ma page. Pardon, partagez, partagez, partagez. On nous signale la page là jusqu'à... Je l'ai récupéré seulement. Je l'ai récupéré vite fait, bien fait. Partagez et envoyez les cœurs. On a failli prendre notre page pour partir avec. J'étais à la poubelle. Mais si on est des menteurs, si on est des menteurs et des menteuses, tchap tchap,
Si on est des menteurs et des menteuses, pourquoi nos sorties te font du mal? Pourquoi nos sorties te pioncent? On accepte être des menteuses. On accepte être des menteuses. Pourquoi ça te fait mal? Je suis à trois sorties de toi. Et que dans la vérité, oh, n'aime pas quand ça bug comme ça. Je ne vois même plus vos messages. Je ne vois pas vos messages. Je suis à trois sorties. La première sortie que j'ai faite, je t'interpellais en tant que compatriote. Je t'ai fait comprendre que je suis informé que ça fait des années que Sylvain est avec toi et que tu ne lui donnes pas les papiers. Après, il y a eu tout ce qui est sorti derrière. Mais nous, on ne fait que dire, oh Mireille, Mireille, bonjour Mireille. Nous, on ne fait que dire la vérité. Et je dis, et je redis, si ce n'était pas la vérité, tu devrais t'en foutre. Moi, quand on dit des mensonges sur moi, sur les réseaux sociaux, je m'en fous parce que je sais que c'est des mensonges. Hein? Mais là, là, c'est une vérité, c'est une histoire vraie, tchap tchap. Tout ce qu'on raconte, tous les témoignages là, c'est la vérité. Hein? Pourquoi tu te mets dans tous ces états? Si c'est faux. Quand c'est faux, on ne se met pas dans tous ces états. Là, tu te mets en mode... Tu te mets en mode... En fait, toi, tu dis que tu as pitié de moi. Quand je t'entends, tu dis que j'ai pitié de la Noirata. Tu m'insultes dans Noirata. Toi, tu es brune, n'est-ce pas? Tchap tchap est blanche. Elle m'insulte de noir. Donc, vous montrez... Donc, vous voyez à quel point la personne est déséquilibrée. Une noire qui insulte une autre noire de noir. Tiens, tiens, tu vois. Moi, j'en rigole, hein. La noire t'a là. Tiens, tiens, blanche. La seule chose qui est blanche chez Tiens, tiens, ce sont ses lèvres. Tiens, tiens, la seule chose qui est blanche chez toi, ce sont tes lèvres. La seule chose. Moi, je vais mettre cette vidéo pour me dire que le clash a des limites. Tu comprends? Le clash a des limites. D'accord? On m'a envoyé les partages ici. Donnez-moi les noms où je peux trouver. J'ai vu une Dolé Mignon. Dolé Mignon a partagé une des vidéos. Une vidéo là. Je vais voir. C'est celle-là que je veux vous faire écouter. Dolé Mignon d'or. C'est pas Dolé Mignon d'or, ça. Elle vient écrire sur ma page que va lire sur TikTok, même en faux profil. Mamie, c'est toi qui m'as bloqué sur TikTok. Va toi-même me débloquer. Parce que toi, tu es sur ma page. Ça montre que moi, je n'ai pas peur de toi. Tu dors sur ma page toute la journée. Tu dors sur ma page toute la nuit. Moi, je n'ai pas besoin de te bloquer. Mais tu viens écrire ceci. Va sur ma page TikTok, même avec un faux profil. Lis les commentaires. Toi, tu manipules les gens. L'histoire retient qu'elle... L'histoire retient qu'elle... Tu n'as pas donné les papiers. Que Sylvain n'a pas les papiers. Depuis 6 ans qu'il est avec toi. Nous, la bosse, le bonjour. Depuis 6 ans qu'il est avec toi, l'histoire retient que je suis en train de chercher les vidéos. Donnez-moi un nom où il y a les coupures de vidéos, pas les longues, longues vidéos là. Je veux la vidéo où ils sont dans la voiture en train d'insulter Martine. Quelqu'un a partagé ça. Dites-moi où je peux trouver ça. Dites-moi où je peux trouver, voilà. J'ai trouvé même. 30. Je serai là avec mon mari. C'est Martine là-bas. Là. Mon amant l'a bloqué. Parce que nous m'en bloquons. Parce qu'il m'a imposé. Mais il y a un respect. Mais il y a un respect. Il m'a imposé.
problème. Tu es pas. Regardez vous-même. Quand Sylvain veut échanger avec Martine, regardez vous-même comment Tchap Tchap étouffe et prend la parole. Parce qu'ils ne veulent, elles ne veulent même pas qu'il y ait dialogue. Elles viennent tout de suite, elles commencent. Maman, je dis, hein, Tchap Tchap, tu as peur de quoi as-tu si peur? Est-ce que tu sais que ce que tu as même trop peur là, c'est ça qui va arriver? Ce dont tu as trop peur dans cette histoire entre toi et Sylvain là, c'est ça qui va même arriver. Parce que quand moi je te vois, je vois une femme qui est prête à faire du n'importe quoi pour qu'un homme reste à ses côtés. On ne force pas l'amour. Ça fait plusieurs fois que je te dis ça. On ne force pas l'amour. Et je te dis que Sylvain peut même faire 20 ans chez toi sans papier. Mais le jour qu'il aura le papier, il va partir. Tu donnes l'impression que c'est toi qui forces le gars. Le gars, ici, on s'est vanté de Sylvain sur les réseaux sociaux que c'est un homme qui ne parle pas. Dès que tu as entendu qu'on a dit que Sylvain ne parle pas, tu fais déjà parler Sylvain dans les lives. Jusqu'à ce n'est plus bon. Il tremble même quand il parle. Quand toi-même, tu vois comment Sylvain parle là. Ce n'est pas... C'est quoi? La vérité, c'est quoi? La vérité, tu as épousé le fou. Tu as épousé le fou. Regardez. Tu as épousé le fou. Tu es de la famille de Chouchou. Elle étouffe. Tu savais que Sylvain s'appelait Chouchou. Tchap Tchap, tu savais que c'était son petit nom. Depuis que Tchap Tchap est dans les réseaux sociaux avec Sylvain, vous l'avez entendu l'appeler Chouchou. Tu es venu découvrir Chouchou dans mon live. C'est moi, c'est nous qui t'informons que c'est son petit nom. Maintenant tu es là que Chouchou, tu es dans la famille de Chouchou. Tu ne savais pas que c'était son petit nom. Hein? Tu ne savais pas que c'était le petit nom de Sylvain. Donc tu viens découvrir toi-même la vie de Sylvain dans les réseaux sociaux via ses soeurs. Oui, via sa famille. Tu viens découvrir sa vie via sa famille dans les réseaux sociaux. Toi-même, tu ne connaissais pas sa vie. Tu ne connaissais pas le petit nom là. Depuis que tu es sur TikTok, depuis que tu es sur Facebook, est-ce que vous avez entendu Tchap Tchap prononcer le petit mot chouchou un jour? Jamais vous n'avez entendu. Si vous avez entendu ça, coupez-vous, m'envoyez. Jamais elle ne l'a appelé comme ça. C'est elle qui dit qu'elle n'écoute pas les vidéos, hein. Mais c'est elle qui parle des vidéos et elle raconte tout ce qui se passe dans les vidéos. Baba, c'est qu'il y a vraiment... T'as un souci, toi. Moi, si je dis que je n'écoute pas les vidéos, j'écoute pas. Je pars où on coupe et je fais mon analyse. C'est elle qui dit qu'elle n'écoute pas. C'est elle qui dit que... C'est elle qui parle de live en donnant les détails. Quand tu étouffes Sylvain de parler avec ses sœurs, c'est quoi le projet? Parce qu'il voulait parler. Il voulait s'adresser à Martine. C'était une conversation entre elle et Martine. Pourquoi tu es venu faire ce que tu es venu faire? L'étouffer, l'empêcher de parler. Jusqu'à lui-même, il te regardait déjà du coin de l'œil. Il faut regarder le coin de l'œil de Sylvain. Hein? Il faut bien regarder le coin de l'œil de Sylvain. Ça en dit long. Tu comprends? Tu vas donner les papiers à Sylvain. Tu vas lui donner les papiers. Et ce qui doit arriver, arrivera. Ce que tu as peur là, c'est même ça qui va arriver. Tu vas donner les papiers à Sylvain. Nous sommes ici pour te dire que Salomé Tchap Tchap, donne les papiers à Sylvain. Tout le reste que tu nous racontes là ne nous intéresse pas. Tout le bruit que tu fais là ne nous intéresse pas. On t'a percé à jour. On a montré ton vrai visage de ton vrai couple dehors aux internautes. Ils savent maintenant que tu as beau tourner les fesses, il a beau tourner le ndomba, attacher le ndomba, faire tout ce que tu dis, faire tout. On retient une seule chose, que c'est que Sylvain n'a pas de papier. Et un homme sans papier auprès d'une femme et un homme qui est désarmé. Oui, oui, oui. Il est désarmé à tes côtés. Parce qu'il n'a pas de papiers. Hein? On va continuer à écouter. Imbécile! On t'a épousé le fou. Je suis empêché d'appuyer le fou. Chien! Les deux femmes avec les
un gros jour. Tu ne verras jamais Sylvain. Elle a arraché le téléphone. Hein. Le gars avait le téléphone à main. Hein. Elle a arraché le téléphone. Donc, vous savez, ne vous contentez pas d'écouter. Parfois, il faut regarder les gestes, les comportements. Dans les FBI, là, les gens qui travaillent, les enquêteurs, quand ils font des enquêtes, ils écoutent ce que la personne dit, mais ils regardent le comportement, les mouvements de la personne, les yeux, la bouche, comment il se comporte. Et quand Tchatche parle, regardez son comportement, regardez comment elle s'agite, regardez comment elle se comporte. Vous voyez une femme qui est prête à tout pour garder son petit chien. Vous voyez comment elle montre que c'est elle qui domine. Vous voyez comment elle montre que c'est elle qui commande. Oui, oui, oui. Regardez bien. C'est un petit secret que je vous donne là. Quand vous les regardez, il faut les observer. Sylvain est toujours en mode soumis. C'est Sylvain le soumis. Et c'est Tchap-Tchap la dominatrice. Pour ne pas dire la gourou. C'est Tchap-Tchap qui commande. Ça fait depuis là qu'ils font les lives. Vous avez entendu Sylvain parler? Est-ce que vous avez entendu Sylvain parler depuis qu'ils font des lives sur TikTok ou sur Facebook? Non. Pourquoi il commence à parler beaucoup aujourd'hui? Parce que c'est elle qui le pousse. C'est à sa demande. On a dit que tu ne parles pas dans les vidéos. Viens alors maintenant parler. Il faut qu'il t'entende parler. Tu vas convaincre les qui, Tchap-Tchap? Tu veux convaincre les qui sur ce que nous-mêmes on voit? Tu veux convaincre les qui? Hein? Ce que nous-mêmes on voit. Le gars ne parlait pas avant, maintenant le gars est devenu toc-toc. Il ne peut que te jeter les éloges. Hein? Sylvain ne peut que te jeter les éloges. Sylvain ne peut que venir dire ce que tu veux qu'il dise aux internautes. Sylvain ne peut que venir te défendre. Est-ce qu'on s'attend à autre chose de lui? Hein? Votre misérable vie est versée dehors. Wow. Ce n'est plus mon homme. Maintenant, c'est mon mari. Épouse-le. J'ai cru comprendre que tu vas l'épouser là en octobre. C'est la première fois que tu demandes à épouser. C'est la première fois. C'est la première fois que tu veux épouser Sylvain. Tu as déjà fait la demande d'épouser Sylvain 3 fois. Tchap-tchap, ça fait, c'est la 3e fois que tu as, ou la 4e fois que tu fais le dossier. Et tu as fait le dossier depuis plus d'un an. Ça fait un an que tu as fait le dossier pour épouser Sylvain. Tu étais où avant? Les 6 autres années, là, tu étais où? Il y a déjà eu une publication que tu vas l'épouser. Tu es toi-même, dès que vous vous bagarrez, dès que vous avez les problèmes, tu le jettes dehors. Tu peux annuler le mariage. Cette fois-ci, tu vas l'épouser. Cette fois-ci, tu vas sauf que l'épouser. C'est moi qui te dis ça. Oh, ah. Nous sommes derrière tes fesses. Bango, bango. Pour que tu épouses Sylvain et que tu lui donnes les papiers. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne comprends pas quoi? Tu ne comprends pas quoi? C'est ce qu'on veut. Tu vas l'épouser obligatoirement. En octobre. Et tu vas lui donner les papiers. Oh, ah! 6 ans à te mbinda, ce n'est pas rien. 6 ans à te préparer le mbongo chobi, ce n'est pas rien. 6 ans à te préparer le ndomba, ce n'est pas rien. 6 ans à te mbinda, ce n'est pas rien. 6 ans à mâcher ta sale bouche là. Ta bouche, 6 ans à manger ta bouche, ce n'est pas rien. 6 ans à descendre dans ta cave qu'on imagine de loin là,
Ce n'est pas rien. Alors, tu vas l'épouser. Et tu vas lui donner les papiers. Moi, dès qu'on m'a dit ça, mais on m'a quand même dit que par derrière, ce n'est pas la première fois. Hein. Ce n'est pas la première fois que tu promets l'épouser. Puisque c'est toujours toi qui peux annuler le mariage. Et Tonton de Luc, bonjour ma soeur. Tu vas l'épouser. Oh, ah! C'est ta belle famille, nous les écrans, qui te demandons que Yougou Marek yi et Yougou Gui yi Kaolo. D'accord? Tu vas lui donner le papier que tu l'as fait traîner là. Tu vas lui donner. Et dès qu'il aura le papier là, tu vas consommer le mariage là jusqu'à. Pour solidifier le Kaolo là. Hein? Et après, on en reparle de toi et Sylvain. Dans peut-être 3 ans. Ou 4 ans. Hein? D'accord? Donc tout ton épouse-le. Et donne-lui les papiers. Le reste, on s'en fout. Tu as compris? Parce que nous, on est sortis. Hein? Nous, on est sortis. Parce que on veut que tu donnes les papiers à notre frère camerounais. On est fatigué que tu abuses d'un frère qui vit avec toi depuis des années. On est fatigué que tu le roules en bourrique. On est fatigué que tu le malmènes. Un jour, il est à la maison. Un jour, tu le fous dehors. On est fatigué de tout ça. On veut que tu lui donnes les papiers. Oui, tu as voulu le prostituer. Ensuite, une femme qui n'a pas d'enfant. Tu connais, tu peux accoucher stérile. Femme stérile. Menteuse. Tu es la famille de Sylvain. Tu es la famille de Sylvain. Tu es de sa famille. Chérie, je vais faire le lard sur toi le soir. Encore plus, c'est pas le nom. Encore plus, tu parles le nom de ma mère. Je vais parler de ta mère. Regardez-le. Attends, tu parles le nom de ma mère. Regardez-le. Regardez-le. Tu parles le nom de ma mère. T'es un mensonge. Tu parles le nom de ma mère. Tu parles le nom de ma mère. Sylvain, ne fais pas que je te manque de respect. Tu parles le nom de ma mère. Tu parles le nom de ma mère. Ta mère est couchée là-bas là. Tu t'occupes d'elle. On saura même la vérité dans l'histoire-ci. Tu parles le nom de ma mère. Tu parles le nom de ma mère. Ça te préoccupe? Tu te préoccupes pas d'abord de tes propres enfants. C'est de ta maman que tu te préoccupes. Regarde-moi celui-ci. Ne fais pas qu'on te manque le respect, hein, mon frère. Ne fais pas qu'on te manque le respect. Tu as compris? Donc tu peux parler. Donc il suffit qu'une femme te dise parle, tu parles. Y'a une mania. Y'a une femme. Sylvain, on ne veut pas te manquer le reste. Y'a une femme. Une vraie femme. Une toi. Une toi. Y'a une toi. Hein? Y'a une toi. Une toi. Wakora dja. Wakora Cameroun. Nous, à ce temps, une toi. Minga na minta. Une toi. Tu vas te appeler, nous abom les chapchap, wanyanyan, vite, chapchap, vite, et on va y aller, nous chapchap, donc on va dire, nous chapchap, vite, nye, you bel choix, quoi le bibia wao ingungonga, et on va y aller, vite, toi, quoi le bibia wao ingungo, quoi le bibia zubon, chapchap, aloué, la yo. Ah Sylvain, quoi le biba me vient se bonnet chap chap à louer la yop à vous à faire. Une femme. Yo jom il veut femme nan ou nous jam comme femme bakopo. Gawa yen vous les ninja nous son. Gawa yen femme pe un tombe un tombe ni tang. Gawa venan à ce tombe un tombe. Un tombe minga un ami tang. Ta fop te sa wa 16 ans me fop. Mimbu mingo lot. On va mani yombo pi usua. Nga wa yonu vola wa yombo.
une femme. Un toi ba. Wazi sobi sya. Wazi yambi ji. Wazi mingbi ji na mintan. Ndi mga yelo wuna la janga. Ajan doe fa waso. Ndi mga yelo wuna nipi. Fam ji ya yambi ngbi ji. Pere me jomu. I bo sa yin dwe de l'otar jom feu. Parce que tu es la honte des écans. Tu es la honte des hommes écans. Tu es notre honte. Et on fait avec. On fait avec. À condition que celle qui dit t'aimer là te donne les papiers. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as compris? Un homme qui parle, sa voix tremble. Tu parles, ta voix. Naya. Yunga yubanga. Il me pète blanche. Vous savez, c'est pour moi. Je vais vous. Il y a un backup de femme, une femme. Alors tu me la boucles très vite. Parce que tu es loin d'être un vrai homme. Une femmelette comme toi. Donc quand les hommes parlent, celui-ci aussi peut l'ouvrir. On te voit comment tu prépares la nourriture en live. Comment on te crie dessus. Comme un toutou. 6 ans avec une femme sans papier. Et il se dit homme. 6 ans. À manger les sales fesses de tchatchet. Sans Carolo. Il n'y a qu'une bonne femme. Si je te vois, je te gerbe sur la tronche. T'as compris? Une femme. Ouf. Tu prononces ma mère, tu es malade, tu prononces ma mère, Martine. Tu prononces ma mère. Tu es de sa famille. Tu es de sa famille. Elle a encore arraché le téléphone. Ngawa, elle ne veut pas faire au téléphone à moi. Anna. Ngawa, elle ne veut pas faire au téléphone à moi. En tombé quand. Wajin une femme. Elle ne veut pas faire au téléphone. Y'a Djoadjo no kobo. Elle te laisse même en placer une. Ça montre que ce que tu vis chez toi, chez elle. Ça montre ce que tu vis chez elle. Est-ce que tu peux parler? On ne t'entend même pas 3 minutes. On entend seulement. Elle arrache. Hein? Regardez comment elle arrache. C'est sa famille. Avec tes gros joues. Je rentre encore derrière. Elle rentre. Tu parles le nom de ma mère. Elle a le téléphone. Tu parles le nom de ma mère. Regardez. Tu parles le nom de ma mère. Tu prononces ma mère. Tu es malade. Tu prononces ma mère. Martine. Tu prononces ma mère. Regardez. Tu es de sa famille. Ah, elle arrache. Tu es de sa famille. Elle arrache. Tu es de sa famille. Elle a déjà arraché. Avec tes gros joues. Les deux femmes. Tu es de sa famille. Tu es la famille de Sylvain. Le fils de quelqu'un. Le frère des gens. Le frère des gens. Hein. Comme vous voyez là. Le frère des gens. Le père des enfants de des gens. Ils ne veulent pas faire au téléphone à moi. Ils soulou. Ils ne veulent pas au téléphone. Robocop. Nous, on a eu de l'empathie pour toi. On a continué à avoir de l'empathie pour toi. Je te dis que jusqu'au bout de ce dossier, jusqu'à ce que Tchap Tchap passe devant la mairie avec toi. Et sache que ce n'est pas parce qu'elle passe à la mairie avec toi que ça y est, tu as le papier. Hein. Il y a encore toute une procédure derrière. Hein. Donc, reste bien comme un petit chat. Reste bien. Continue ton jeu que tu fais là. Ne pense pas que dès qu'on va t'épouser, c'est ça y est, hein, tu as les papiers. Non, non, il y a encore une procédure. Donc, si tu es encore cool, soumets-toi encore à elle. D'accord? On te voit ici, tu conduis. Tu ne conduis pas. Ta famille! Parce que je connais Tchap Tchap. Il y a beaucoup de gens qui conduisent en Europe sans papiers. Beaucoup, ils sont comme ça. Mais le jour qu'on te tamponne, tu as les problèmes. Ici, je ne l'ai pas vu conduire. Il est assis au volant. Parce que connaissant Tchap Tchap, on a vu des vidéos où c'est elle qui part le chercher. C'est elle qui conduit. C'est elle qui part le remettre au boulot. C'est elle qui se conduit. Il n'a jamais conduit. Donc, si elle l'a mis au volant, soit
Elle veut qu'on croit que le gars a vraiment les papiers, mais nous connaissons que ici, beaucoup n'ont pas de papiers et ils conduisent. Soit, elle veut qu'on appelle la préfecture, on envoie la vidéo et on dit que voilà un sans-papiers qui conduit sur le territoire français. Donc, ce sont les deux choses-là. Donc, à prendre avec beaucoup de pincettes. À prendre avec beaucoup de pincettes. Il y a des gens qui conduisent ici en sans papier. Il n'est pas au volant, hein. Oui, oui, attends, je regarde. Je ne connais pas. Point. Je fais le lâche sur toi, femme stérile. Le ventre sec. Le ventre sec. Dieu sait pourquoi il t'a refusé les enfants. Je te promets, je t'envoie la basse. C'est moi qui te dis ça. Dieu sait pourquoi il t'a refusé les enfants. Tu peux accoucher. Martine, voleuse de passeport. Tu as volé le passeport de mon mari. Tu as voulu le mettre dans la vitrine en Suisse. Il a refusé. Tu pars dans le... Effectivement, ce n'est pas lui qui est au volant. Je n'avais pas fait attention. Depuis là, les gens faisaient les commentaires en disant qu'il conduit, conduit. Effectivement, ce n'est pas lui qui est au volant. Il n'est pas au volant. Il ne conduit pas. Je sais pourquoi tu as refusé les enfants. Tu peux accoucher. Martine, voleuse de passeport. Tu as volé le passeport de mon mari. Tu as voulu le mettre dans la vitrine en Suisse. Il a refusé. Tu parles dans le direct, tu dis que tu es sa famille. Tu es sa famille. Tchap, tchap, arrête de raconter des bêtises. Les hommes ne vont pas dans la vitrine en Suisse. Il n'y a pas d'homme en vitrine en Suisse. Sylvain, c'est à toi que je m'adresse. Tu vois, voilà ton remerciement. Parce que Tchap Tchap t'a demandé de venir insulter Maman Martine. Cette même Tchap Tchap avait dit ici sur Internet que c'est elle qui t'a payé ton boza. Maman Martine est sortie. Dit que c'est faux. Elle va raconter la vérité, que c'est elle qui t'a payé le boza de l'Italie jusqu'en Suisse. Au jour d'aujourd'hui, c'est cette Martine que tu insultes, que tu laisses Tchap Tchap traiter de stérile, qu'elle n'a pas accouché. À Sylvain Yoabele. Donc, c'est comme ça que vous êtes. La même chose que tu fais là, c'est la même chose que tu vas faire, Tchap Tchap. Ce que tu es en train de faire là, voilà ton vrai visage que tu montres là. Ce que tu es en train de faire là, le jour que tu vas prendre les papiers chez cette Tchap Tchap, tu vas partir. Hein? Le jour que tu vas prendre les papiers à Tchap Tchap, tu vas lui faire la même chose que tu dis avoir fait à la Blanche. La même chose comme tu es en train d'insulter Maman Martine aujourd'hui. Celle qui t'a enlevé de l'Italie pour la Suisse. Et tout ça devant les enfants. Quand je vois dans un live, tu dis que entre les papiers et l'enfant, qu'est-ce qui est le plus important? Ceux qui sont au Cameroun là-bas, tu t'en occupes. Il n'y a pas un homme bête, un illettré comme toi qui peut dire que entre les papiers et l'enfant, qu'est-ce qui est le plus important? Mon ami, en Europe, le papier, c'est le level. C'est pour ça qu'on dit que tu es bête. C'est pour ça qu'on dit que tu n'es pas allé à l'école. Go bon bifebeti. Comment tu peux mettre la caméra? C'est ce qu'elle t'a dit? C'est ce que Tchap Tchap t'a convaincu? Elle t'a mis dans la tête que entre le papier et l'enfant, qu'est-ce qui est le plus important? C'est le premier enfant. Il saoule. Soukoula Nembré. Tu es bête. Bête. En fait, c'est vous-même qui nous montrez qu'on a raison. Puisque dans les vidéos, on voit comment elle te manipule. C'est ce qu'elle t'avait dit. Qu'entre les papiers. Donc tu préfères être sans papier. Parce que Tchap 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 fait un enfant. Hein? Le papier, c'est l'alpha et l'oméga en France, dans le pays des Blancs. Tu as compris? Et Soulou, femme. En Manikam. Et Soulou, Ntawa.
Banya wakad no mwana nempia da hapopi yon tu wabuni. Wabuna jote. Minga karo no mwana nempia da hapopi. Wana bilibala yebe bilibisa. Nawa nyanya zilinge wana bilibibisa. Wazukop minga wana bilibibata. Ongole mwana nempia. Wama sila silva. Wakad no mwana nempia da hapopi. Onga nyazukop chap chap a bilibibata randa. Bibata. On y a un sil, ne? A chap chap, bise à bon babonne, puisque à carmen, bon an en tia d'un feu. Coune, coune, jumpe la bien mignola. Et on, bêtimo, bêtimo et mignola. Comment, femme, goum à voir ce clou, goum bif à bêti? Minga doua, nan, bon an en tia d'un feu, et d'un toanda, bon abonne de tables, bessa. Ben ça veut dire que tu as bien fait. On dit une silly. On dit une silly, non? Ben ça veut dire que tu as bien fait. Puisque tu as bien fait. Donc, tu as bien fait. On a bien fait. Amuna, tu as bien fait. Tu as bien fait à Cameroun. On dit que tu as bien fait. Ah? Ah, Sylvain, bon, on va aller à Cameroun, à ce moment, non, désert. On dit, on va mettre mes tas. On dit, vous ne n'avez pas une oiseau, oiseau, un seul. On dit, vous ne n'avez pas un jim. On va le mouvou, on lit, bon, à Cameroun, on lit, bon, à Jam. Nous, à ce jamini. Y'a un tout war. Femme. Une tombe, une femme et tam. Ou a fila caméra, ou a comme bourbou volo. C'est à dire que ou a comme bourbou volo. Non. Moi, n'a n'en fi à d'un feu. Quoi, nous n'y bo? Ou le n'damna ma m'tia. J'ai jamais vu. Il y a qu'un petit, un étang. Tête trouée qui peut penser comme ça. Il y a qu'un étang, tête trouée qui peut penser comme ça que le papier. N'est pas plus important que l'enfant est plus important. Donc, c'est ce que Tchap Tchap t'a mis. Comme elle est tombée enceinte, elle t'a dit que l'enfant. Mais tu es venu trouver Tchap Tchap avec les enfants à la maison. Il n'y a pas de père. Il n'y a pas de père. Quand tu es entré dans la maison de Tchap Tchap, tu es venu la trouver. Il y a des enfants. Tu ne lui as pas posé la question que Tchap Tchap. Comme les enfants sont plus importants que le papier, où sont les parents, où sont les papas des enfants que tu as à la maison si? On peut être bête comme ça. Hein? On peut être bête comme ça. Jibin, abime des graines d'immunité. Des graines d'iman. On ne jamais tombe d'immunana. On va se boire en même temps. A Sylvain Massil Moussili, on va se bodje, un ami tant. On voit la pop de Simpi. Chimnaja. On t'a me fait un ami tant. Chimnaja. Ou à servir à Djen Namui. Bouan boue ba Djé. Ou à ton boue Djé. Ou à ou nous clandestinement. Bak bak a bono courir risque. Gbi zimbi bia bi wo yo mbe balo moja. Ya voix qui fait. Ya voix qui faut parce que moi on ga bia chap chap assi placé. Assi placé mama karo. De ma première fois de ma vie mes chers frères et sœurs. C'est la première fois que je vois un Camerounais bête. Un bosaïen idiot. Un bosaïen ici, comme on dit chez nous. Un bosaïen qui a le cerveau plein de merde. Un bosaïen qui a le cerveau plein de merde. Les bosaïens que je vois dehors qui sont charismatiques, qui sont que tout le monde traverse la mer en sachant que d'abord le papier. Vous entendez un bosaïen venir dire que. L'enfant est plus important que le papier. Mes chers frères bosaïeurs, vous voyez votre collègue. Vous voyez.
Je suis dépassée. Je suis dépassée avec celui-ci. Je n'ai jamais vu. À Sylvain Kouni Ndjiman. Kouni Ndjiman. Ndjimne tit. Ndjimne tit. Nya. John Nya. Il n'est plus intelligent. Il ne fait pas d'en haut. On est Ndjiman. Yo, ma yenne, binga ve au valeur. Binga te wa ve valeur, eh. Ne, wa kom ki. On a mien. Ndena, wa yane bo tu komo. Tu dois rester bouche fermée. Ne parle plus en public. Parce que la diarrhée qui sort de ta bouche fait peur. On était content que tu ne... On disait même que tu ne parlais pas. Mieux, tu ne parles pas. Il faut souvent fermer la bouche. Parce que quand tu ouvres ta bouche, il une pluie. Il n'y a quoi à nous. Tu crois qu'un homme se résume à parce que tu es grand, tu as les muscles, tu t'habilles bien. Un homme qui n'a rien dans la tête, mais je peux pas. Moi, je te fous dehors. Hein? Un homme qui n'a rien dans la tête, mais qu'est-ce que je vais faire avec... tu vas finir à faire du gardinage. On est jamais aucune formation est faite. Toute ta vie, tu vas faire le poteau devant les magasins. Tout homme, ta feu petit, zéro, feu un costant, zéro, feu un ou non, feu un insomnie, zéro. Couronner le tout, je t'en veux, toi-bas. T'es à feu, mimbou, t'es à feu, un toi-bas, ou swan. Tu es sûr que tu es calme, je commence à douter de toi là. Il faut aller, tu dois être dans notre pays, pardon. Tu n'es pas Camerounais. Je n'ai jamais vu un Camerounais aussi bête. Tu n'es pas de chez nous. Il faut encore aller chercher ta tribu, pardon, papa. Ma sile ou n'djaman. Tamberke djeng. Il faut avoir ça. Aussi, il m'en est comme. Mais quand ici, me coûte. Mais si, me bile. Me tête vide. Tu n'es pas et quand je te renie. Ma renie, oh. Tu n'es pas et quand. Qu'on aille chercher où tu viens. Va chercher d'où tu viens. Tu n'es pas de chez nous. Cherche encore d'où tu viens. Il faut interdire que personne ne transmette tes directs. Qui est en train de transmettre mes directs? Qui? Donnez-moi la personne. Je bloque directement. Qui transmet mon direct là? Dites-moi vite. Mon direct. Du camère, hein? Et langue du camère. Oh, Mathieu, je veux ton. Du camère, mais biazou. Tu ne peux pas faire ton direct. Attendez, je pars. Je bloque les bêtises. Que ce soit la première et la dernière fois. Que ce soit la première et la dernière fois que tu transmets mon direct pendant que je suis en live. Ce n'est pas toi qui me donne l'énergie pour venir m'asseoir comme je suis assise là. Vous aimez la facilité. Tu ne peux pas venir couper après comme les autres. Vous aimez la facilité. Quand quelqu'un dépense son énergie pour faire son live, c'est où toi, tu, pendant que je suis là à transpirer, toi tu es assis là-bas, tu te transpires. Je te bloque, dis donc. Il est où? Du cambindo. Du cam. Taille de pouf. Avec sa taille comme un pouf. Du camère officiel. Réécrivez-moi ça, je vois bien. Bloque les bêtises. Mettez-moi bien comment c'est écrit là-bas du camère officiel. Chouanalaï. Comme lui aussi, il a 1 million de faux de profils, lui aussi, si. C'est du camère, si je ne vois pas là-bas. Du camère au. Du. Attends. C'est ça ici, non? Je le vois. C'est ça ici. Il y a une autre. Il y a une autre, c'est qui? Donnez-moi.
Je vais bloquer les bêtises. D'abord, je commence par bloquer celui-ci. Je n'ai rien contre toi, mais c'est trop facile d'utiliser les comptes des gens. C'est trop facile d'utiliser le travail des gens. Je te bloque. Donnez-moi un autre compte. Donnez-moi un autre compte. J'ai bloqué celui-ci, mais non. Mets ta caméra, dis donc. Mets ta caméra. Du Camer officiel 3. Ok. Du Camer officiel 3. Du Camer officiel 3. Voilà, le voici. Mais il n'est pas en live là. Il a... Je le vois ici. Non, ça c'est. Du Camer, je bloque tous tes comptes. M'en fous. T'es pas demandé de venir transmettre mon live. Il est où? Allez, dégage. Bloqué. Tu ne peux pas attendre que je finisse. Il réduit après. M'en fous. Il a pris balle perdue. Celle-là, la taximène attend plein de stars là. De Stam Brakata. Vous m'avez prononcé son nom là. Ah, que Black Machin chouette là. Celle qui. La putois là. Elle est où? Je vais regarder comment on écrit son Black là. Voilà, la voici. Celle-là aussi a beaucoup de comptes, hein, maman. Vous ouvrez souvent 1 milliard de comptes comme ça pour faire quoi? Elle a tellement de comptes. Elle y a... Je vois qu'elle est à... Hey, elle vient de fuir. J'ai vu qu'elle est à là. Tu fuis? Tu fuis? Attends, je te nique ta race. La voici. Voilà. La voici, hein. Tu ne peux pas faire ton live. Regardez. Regardez, il lâche. Voilà. Regarde, tu veux tellement exister. Aujourd'hui, tu as 50 personnes qui te regardent à cause de moi. Tu as 50 personnes qui te regardent à cause de moi. D'habitude, tu as le nombre de vues là. D'habitude, est-ce que tu as le nombre de vues là? Vous aimez la facilité, hein? Vous aimez chercher les vues sur le dos des gens. Mamie, donc, je te donne les vues. Donc, je comprends pourquoi tu fais. Je comprends pourquoi tu veux le clash avec moi depuis là. Donc, depuis là, elle cherche le clash avec moi. Mais comme elle, je lui fais vu et ignoré. Tu cherches le clash, tu cherches la Starmania derrière mon dos. Pipito ne t'a pas donné la Starmania, mamie. Reine Mère Bio ne t'a pas donné la Starmania. La Poutine, les Poutines ne t'ont pas donné la Starmania. Les ténèbres ne t'ont pas donné la Starmania. Hein? Tu es parti chez Mouet de Lille, elle ne t'a pas donné la Starmania. Non, c'est sur moi que tu... Tu es même parti chez l'autre. Elle ne t'a pas donné la Starmania. Non, c'est sur moi que tu viens chercher la Starmania. Pour avoir un peu de vue. Maman, tu attends le somme aujourd'hui. Elle est montée à 60 vues. Grâce à moi. Bravo! Bravo! Je suis ta star, Pian. Oh, ah. Mais regarde ce que je te fais. Je te bloque. Et c'est ça qui est ça. Et ça ne choque pas. Tu vas mettre ta caméra. Voilà. Regarde. 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 Je te bloque. Propre. Mon administrateur est là. Banni-la. J'ai bloqué tout le... Tu l'as banni. Jacques, elle ira nous voir. Elle ira nous voir qu'à YouTube. Trouve-toi encore des vues. Hein? Trouve-toi encore des vues ailleurs, mamie. Quelqu'un retransmet là. Vous me dites, je bloque les bêtises. Regarde-moi des petites jalouses pembèches. Donc, c'est mes deux vues. Elle ne peut pas mettre sa caméra. Bannis-moi les bêtises.
mon administrateur, bannis le gens qu'elle est. Elle ira seulement à YouTube. Et tu bannis le gens que tous ces numéros qu'elle va créer encore. Elle n'aura rien. Elle ira me voir à YouTube. Maman, donc je suis là, je transmets comme ça. Madame est en train de faire retransmettre. C'est trop facile. C'est trop facile. Vous aimez trop profiter. Vous aimez trop profiter du travail des gens. Tu ne peux pas mettre ta caméra pendant que je fais là. Toi aussi, tu me clashes. Depuis que vous me clashez là, ça change quoi dans ma vie? Hein? Il a bloqué les bêtises. Maintenant, tu redescends à tes vues habituelles. D'accord? Tu vas redescendre sauf à tes vues habituelles, comme tu as l'habitude. D'accord? Aujourd'hui, elle a eu jusqu'à 60 vues à cause d'Élise Battan. Maman. Donc, je suis même charismatique comme ça. Heureusement que je ne me sous-estime jamais. Hein? Quelqu'un d'autre retransmet mon live. Vous me dites, je bloque, je bannis. Moi, je ne rigole pas. Et ils savent que je te bannis. Oh, ah. Plus jamais tu ne me vois. Pauvre du Cambindo. Du Cambindo n'était pas en train de me retransmettre. Mojan, mon administrateur, après tu nous débloques du Cambindo là. Il n'a rien fait. En tout cas, il n'a rien fait aujourd'hui. Il ne mérite pas que, il ne méritait pas que je le bloque. Il n'était pas là. Le nain de jardin là. Un homme qui a la taille d'un pouf. Il a la taille d'un pouf. Du Cambindo, la taille d'un pouf. Le pouf. Il y a un autre pou qui aime le corps là. La taille d'un pou bilate. Le pou du corps qui passe souvent dans les fesses là, non? Le pou. Le pou qui aime. Le pou qui aime être dans les poils là. On appelle le pou là en français comment? Hein? On appelle le pou qui aime. Le pou qui aime le pou. Les morpions. Oui, chez nous, dans ma langue, on appelle ça les bilates. Du Cambindo à la taille d'un morpion. Il n'a pas fait mal. Mon administrateur va débloquer. Pardon. Administrateur va débloquer. Il faudra débloquer du Cambindo. Il n'a rien fait. Il a pris balle pour pêche. Bonjour, bonjour. Bonjour. Mbolo Mojan. Bolfo. J'aime tellement le live là que je suis même seulement. Maintenant, c'est que où c'est Tcham Tcham ou c'est qui là? Tout ce qu'elle vociférait hier sur la tante ou c'est la cousine de Sylvain qu'elle dit là. Ce sont les femmes frustrées quand tu as fini de gâter un homme et tu vois que les gens ont ouvert les yeux pour voir... Ma soeur, on ne t'entend pas bien, hein? Mais nous, le boulot. Quand tu vois que tu as fini de détruire un homme, là, vous m'entendez? Même pas. C'est vrai? Attends, elle met le volume. Attention, hein, ne te retourne pas oui, aussi. Là, vous m'entendez? Là, vous m'entendez? Approche comme ça, là. Tu as les écouteurs? Hein? Non, non. Tourne. Là, ça va. Ferme ta caméra. Je connais même comment fermer ça. Et là, ça va. Bon. Vas-y. Là, tu m'entends? Oui, on t'entend un peu là, oui. Voilà. Je disais donc que quand tu vois comment elle se comporte, c'est les femmes frustrées qui savent qu'on a découvert sa vraie face. Donc, tu ne peux pas me dire que tu vis avec une femme et elle fait l'enfant avec toi. Elle ne te donne pas les papier. Tandis qu'on sait qu'ici en Europe, dès que tu fais l'enfant avec un homme, c'est pour t'aider pour avoir tes taolo. Je ne sais pas comment elle explique ça pour faire dans les directs et dire que je ne donne pas. Je ne donne pas. Tu dis à qui? J'ai écrit dans un commentaire que ma, tu fais à qui? Tu fais à toi-même. C'est celui que tu vénères, que tu dis qu'il est ton mari. C'est lui que tu laisses sans papier en baigne. Donc tu le laisses sans papier, ça ne nous regarde pas. On s'en fout. Mais ça montre la pure méchanceté. Et tous ces frères du village sont maintenant versés sur les bêtises sur toi parce que tu montres le vrai visage de Tchap Tchap. Elle insulte maintenant la femme de Suisse là, comment elle est stérile. Tu as les enfants et tu insultes une autre femme comme elle n'a pas accouché.
Qu'est-ce que tu en sais de tes propres enfants que toi-même tu as eu à accoucher là? Ce qu'ils deviendront demain, on ne dit pas n'importe quoi sur le coup de la colère. Ils disent qu'ils vont envoyer la base en Suisse, la retrouver du n'importe quoi. Nous sommes en Europe, hein? Nous sommes en Europe. Tu ne peux rien faire. Tu envoies la base, c'est la police qui t'accueille. Est-ce que c'est qu'on ignore? Les menaces à la con, ça se fait au Cameroun, c'est pas en Europe, dis donc. Quelle partie se fait foutre avec son type qui ne comprend rien, qui ne voit rien là? Parce qu'il est inadmissible qu'un homme, on est en train de vouloir t'aider, ce n'est même pas méchant. Une femme est en train d'être utilisée comme un déchet. Et elle dit qu'elle ne te donne pas les papiers. Elle a même d'abord les papiers là. Si elle avait, devait donner. Parce qu'une fois que l'enfant naît à l'hôpital, tu sais qu'il y a souvent la reconnaissance, non, Élise? Quand tu es française, tu m'entends? On t'entend. Oui, quand tu es française, tu accouches à l'hôpital. L'enfant est automatiquement français. Et maintenant, le père d'un français, puisqu'ils sont ensemble, ils sont conjoints, le père d'un français a directement les cas. Donc, quand on découvre aujourd'hui qu'il n'a pas les cas, ça veut dire qu'elle n'a pas. C'est aussi simple que ça, non? Est-ce que c'est un débat? Elle cherche à masquer, elle ne masque rien. Elle encourage qu'à partir d'aujourd'hui, aller payer l'école des enfants au Cameroun, je ne vais rien donner. Comme elle est arrivée, elle est assise sur ses mimbangs. Mais elle va le regretter plus tard. Parce que ce genre de personne, quand elle a l'emprise sur un homme, elle se dit qu'elle est arrivée. Elle sait où elle est. Aller le mettre, mais un jour ça va finir. Nous on a vu les cas comme ça, c'est fini seulement dans le sang. Donc un jour ça va chakala, ça va boler et ça va nous retrouver ici, les pleurs de ça. Tu ne peux pas dire qu'un homme a les enfants, tu es le seul enfant. Tu as d'abord fait tes enfants avant le mariage et maintenant tu as eu les enfants avant le mariage, tu as eu celui-ci, tu n'es même pas marié avec lui, il n'a pas de situation en bain. Il a les enfants qu'il a laissés au Cameroun, que le gars souffre pour prendre la route, que je pars pour ma famille. Que nous tous on connaît que quand on vient en Bengue, c'est pour la famille. Maintenant, tu viens dire qu'il vient rester comme ça parce que tu baisses avec lui matin, midi, soir. C'est ça, les faits, c'est quoi? C'est la vie de quelqu'un, ça? Donc, les enfants qui sont au Cameroun, qu'il a laissés là, ça sera quoi demain ou après-demain? Ils vont ressembler à quoi? Oh, que leur père vient en Bengue pour se battre pour eux. Est-ce que c'est gentil? Et ce sont les frères ou les sœurs, je ne connais pas s'il a les garçons et les filles, ce sont les frères et les sœurs de ton propre enfant que tu as fait avec lui. À parfois, avant de dire certaines choses, les inepties que vous venez pondre sur la toile, il faut quand même réfléchir. Tel que tu couvres tes enfants d'aimer leur dernier petit frère avec Sylvain, c'est la même chose que tu dois faire pour ces enfants qu'il a laissés au Cameroun, parce que c'est le même sang qui sort dans les veines de Sylvain, ma chérie. Donc, ça ne sert à rien tout le boucan que tu es en train de faire là. Moi, je dis, quand je la suis, je dis, je suis quittée, même ça me sort de partout, franchement, parce que je peux pas voir une femme qui réfléchit autant. Je peux pas voir une femme qui réfléchit autant mal comme ça là pour un être humain. Tu peux pas rester avec un homme et tu ne veux pas qu'il ait quelque chose dans sa vie, une stabilité, comme quoi je ne donne pas, je ne fais pas ceci. C'est parce que tu n'as pas, tu vois clair, ma chérie. Si tu voyais clair, ça allait déjà marcher. Mais c'est parce que tu ne vois pas clair que tu t'accroches pour dire que je ne donne pas. Tu ne donnes pas parce que tu ne veux pas. C'est parce que tu n'as pas. Il faut dire la vérité. Le gars se débrouille autrement. Ce n'est pas méchant. Donc, c'était un peu mon avis. En fait, les alliés qu'ils ont sur la toile, qui les encouragent dans les bêtises, c'est parce qu'ils sont en train d'enfoncer ce gars. Donc, c'est méchant de sa part. Ce n'est pas gentil. Tu ne peux pas faire un truc comme ça. Tu vis avec un être humain, avec soi-disant celui que tu dis que tu aimes. Et il n'a pas de situation en Europe. On connaît que nous tous ici en Bengue. C'est le cas. On va envoyer la base. Vous envoyez la base. Et je tiens à souligner que tchap, depuis le début, tu essaies de tribaliser l'affaire. Mais oui. Mais ça ne marche pas. Depuis le début, tu essaies de tribaliser cette affaire. C'est une affaire qui te concerne toi seul, individuellement. Ça ne concerne pas le peuple bamiléké. Parce que je vais te dire que même le peuple bamiléké, là, certains ne sont pas d'accord au fait que tu utilises un Camerounais depuis des années et des années et tu ne lui donnes pas les papiers. Il se contente de travailler avec les faux papiers et toi, tu fais tes cotisations, tes tontines de Paris avec. Les bamilékés, beaucoup ne sont pas d'accord avec toi. Quand tu suces le mbanzizi de Sylvain là-bas, le peuple bamiléké n'est pas avec toi. Parce que vous êtes toujours là. Dès qu'on amène un problème d'injustice ici, dès que ça concerne un bami, vous voulez
forcément tribaliser ça. Tu vas gérer le couloir et le dossier de Sylvain si en tant qu'individu seul, en tant que Camerounaise seul. Tu ne peux pas embarquer tout le monde dans ça parce que tu veux venir faire croire que moi, depuis le début, je ne t'ai pas insulté. Hein. Depuis le début, je ne t'ai pas clashé. Hein. Depuis le début, je ne fais que venir avec des preuves et des témoignages qui montrent et qui déroutent et qui détournent tes propos. Hein. Tu avais dit que tu avais payé de l'argent pour faire partie, Sylvain, de l'Italie jusqu'en Suisse. Ce qui est complètement faux. C'est pour ça que la maman Martine est sortie, elle est venue témoigner, elle a raconté la vérité. Et tout le monde qui a écouté maman Martine, quand vous sentez dans sa voix, quand vous l'entendez, vous sentez que ce n'est pas une dame qui a besoin de mitonner. C'est elle qui vient nous dire qui est Sylvain. Tu nous as tendu l'image de Sylvain sur les réseaux sociaux. Ton homme, oui, il cuisine, oui, il fait ceci, oui, il travaille. Mais personne ne savait qu'il travaillait avec des faux papiers de quelqu'un. Personne n'aurait jamais imaginé que Sylvain n'avait pas de papier. Tu vas gérer le dossier là, une place, rien que toi et moi, et le témoignage des multiples personnes, des membres de la famille et des Camerounais qui veulent du bien de Sylvain. Parce qu'il en est hors de question. Quand un compatriote arrive ici, te donne autant d'années de sa vie. On voit bien, Sylvain n'a pas 20 ans. Sylvain n'a pas 30 ans. Sylvain n'a pas 40 ans. Hein? Il a la cinquantaine qui va commencer à amorcer beaucoup dans bientôt. Quand tu vas prendre, si tu prends même 10 ans de la vie de Sylvain, il aura 60 ans dans 10 ans. Il a des enfants au pays. Les enfants que tu nargues, il ne va plus les nourrir. Il ne va plus ceci. Il ne va. Mais attends. Quand on regarde ça, on voit une femme désespérée. On voit une femme désespérée. On voit à la limite une femme méchante. Aigrie même. Tu es méchante. Jean, Salomé, aujourd'hui tu es là. Non, c'est parce que je suis Bamileke. Non, tu es Bamileke et tu suces le pénis dans les camps. Ben tu vois que quoi me fait? Tu suces son pénis, il est quand tu es Bamileke, n'est-ce pas, c'est son pénis que tu suces. Quand tu regardes le pénis, quand tu vas mettre ta bouche là, tu ne vois pas qu'il est quand. Quand tu vas bien sucer là, tu appelles le peuple Bamileke. Tu as honte parce qu'on a mis ta vérité dehors. Ben c'est pour ça que tu t'agites. Toute ton agitation là, c'est parce que la vérité est sortie. On n'aurait jamais imaginé qu'un grand gaillard comme Sylvain, un grand monsieur de son acabit, peut être un illettré. Qui dit illettré dit manipulable. Elise, c'est aussi un point que je voudrais souligner, Mojang. Le point qu'elle dit, elle insulte toutes les femmes parce que j'ai vu ses lives, elle passe le temps à dire comme quoi Sylvain n'a jamais aimé telle femme, Sylvain n'a jamais aimé telle fille, Sylvain n'a jamais aimé telle ceci. Donc ce n'est que dans toutes les films, les femmes que Sylvain a gnoxées, ce n'est que Tchatchette là que Sylvain lui est venu aimer. Il a fait combien d'enfants? Il a aimé cette femme-là. Arrête de dénigrer les femmes. Arrête de dénigrer le passé de Sylvain. Il a connu des femmes et il a fait sa vie avant toi. Donc, ne viens pas sur la toile pour dire qu'il n'a jamais aimé telle. La blanche là-bas, il n'a jamais aimé. Celle au Cameroun, il n'a jamais aimé. L'autre là-bas, il dit que tu as couché avec elle, la grossesse avec lui, la grossesse en fait par accident. Donc, c'est toi son Dieu. C'est toi son Dieu. Il t'a déviégé. Une mère de combien d'enfants? Il t'a déviégé. Et si tu étais une femme digne, tu allais avoir les enfants avant lui. Si tu étais une femme digne, tu devais l'épouser, lui donner les papiers. Tu comprends, ma chérie? Donc, arrête de venir du n'importe quoi sur la toile pour les gens qui te supportent. Comme tu as envoyé le débat chez tes frères et chez tes soeurs, qu'on doit tribaliser l'affaire. Donc tu vas gérer le retour parce qu'il faut aussi que tu saches que les écrans aussi sont sur la toile. Hein. Vous n'êtes pas les seuls. Vous avez compris? Donc on a aussi la bouche pour se défendre et on peut aussi vous dire ce qu'il faut et mettre ça, vous faites de ça ce que vous voulez. Du n'importe quoi tout ça. C'est un chien que tu as chez toi. Zéro tribaliser cette affaire. Je te dis qu'on reste focus que sur elle. On ne va pas mélanger le peuple Bamileke dans ça cette fois-ci. Ici. Elle va sauf que rester focus dans le chaos à Sylvain. Tu dis que tu l'aimes. Donne le papier à Sylvain. Voilà notre problème. Le reste là, quel appel qui a? Quel appel qui? Parce que même dans les Bamileke, quel appel là? Quel Bamileke qui est au pays ou qui est ici avec nous en Ben, qui a son frère, qui est avec une femme? N'aimerait pas que son frère ait les papiers. Eux-mêmes, ils payent les trucs là, non, hein? Mojang. Eux-mêmes, ils sont encore payés. Ils n'aimeraient pas que ton frère vit chez une femme. Qu'est-ce que qui a des enfants au village. Il est venu par le Boza. Une femme vient s'accaparer de ton frère comme ça là. Ambi, tu
pas seulement envie d'aller exhiber en public. Salomé, tu parles de l'aide aussi. Qui aimerait ça? Alors, tu vas dans les questions que Wadjo Bassa me dit ou quoi que ce soit. Qui aimerait ça? Posez-vous cette question. Alors, la seule question qui nous intéresse, tchap-tchap, bring back, donne les papiers à Sylvain. Zéro tribalisme dans cette affaire. Tu as compris? Tu es une femme sérieuse. Sors de ce live, Salomé. Sors. Arrête de mettre tes commentaires ici. Tu n'as pas de papier et tu ne vas rien faire à cette femme. Tu envoies la police chez elle en Suisse. La police va te récupérer. On va vous mettre où il faut. Elle va sans que venir dans nos lives. Elle va sans que venir dans nos lives et rester. Tu vas donner les papiers à Sylvain. Et là, tu l'auras et parole. Là, toi-même, tu sais ce qui t'attend. Oh! Ah! Elle dit qu'on est sur toi. On n'est pas sur le peuple Bamileke. Quand tu m'binda avec Sylvain, il n'y a pas les Bamileke là-bas. Quand tu gâmes ton bonbon, il n'y a pas les Bamileke là-bas. Tu ne peux pas te donner les papiers à Sylvain. Tu te maries en octobre, non? Tu te maries en octobre, non? Va annuler le mariage si tu ne veux pas lui donner les papiers. Elle a d'abord les papiers. Va annuler le mariage. Elle n'a pas les papiers. Elle doit peut-être va annuler le mariage. Qui va lui donner les papiers? Vous lui ou pas? Elle a retiré ses papiers avec la carte qu'elle avait faite. Elle n'a pas les papiers lisses. Elle n'a pas. Si elle avait les papiers, Sylvain devait avoir les papiers. La mère d'un Français à l'hôpital, quand tu sors, c'est les papiers qui sont complets pour faire l'acte de naissance. Tu lui dis que l'enfant est plus important que le papier. Maman, tu as eu ta part de mboutoukou. Tu as eu ta part de mboutou. Mais, mboutou, passe mboutou, hein. Peu importe le temps que ça prendra, nous sommes ici. Et Meta sera toujours là. Je te dis la vérité. Tu n'es pas la seule que Sylvain a ignoré. Tu as compris, ma chérie. Sylvain a eu les femmes avant. Il ne le connaît même pas. Mais la bouche que tu viens sortir sur Facebook qui fait que je parle même dans les choses comme ça là. Tu as une seule. Nous-mêmes, on a eu les passés. Les hommes nous ont aimé. Qu'est-ce que tu veux raconter aux gens? Oh, il n'a jamais aimé tel. Il n'a jamais aimé la mère de son enfant. L'enfant est entré là-bas par accident. Donc, ce n'est que l'enfant de Tchap-Tchap-Si. Après les autres enfants, qui est l'enfant idéal de Sylvain? N'importe quoi. Ma chérie, il faut te cacher. Et quand tu te vois, tu ne t'entretiens même pas d'abord. Donc, tu ne donnes même pas d'abord l'envie. Il n'y a que les médicaments qui peuvent faire le respect là-bas. Qui te discute avec lui? Tchap-Tchap. Qui te discute avec Sylvain? Hein? Tu es là dans le live, non? Tu dis que tu es la seule et l'unique. Qui te discute avec Sylvain? Personne ne te discute avec Sylvain. Tu sais pourquoi les gens se sont exaspérés? Tu le sais. Parce que ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que tu es avec lui et tu ne veux pas lui donner les papiers. C'est pour ça que les gens se sont exaspérés. C'est pour ça qu'on a fait une sortie sur toi. Qui te discute avec Sylvain? Personne ne te discute avec Sylvain. Enlève-toi ça dans la tête. Tu es parano. Oui. Tu es paranoïaque. Donne les papiers à Sylvain, c'est tout. Le reste, on s'en fout. Qu'il reste avec toi après, oh, ça vous engage. Qu'il parte dès qu'il a eu le kaolo, oh, ça vous engage. Ce n'est plus notre problème. Notre problème actuellement, c'est que hein? Donne les papiers. Allô, Maya. Oui. Bombakiri. Hirumba. Moi, je vais descendre. Lise, fais-moi descendre. Je suis en bas. Ok, merci. Bonjour, Maya. Bonjour, tout le monde. Je peux parler, Maya? Oui, vas-y, parle, on t'écoute. Voilà. Bonjour, tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous savez, quand, comme dit souvent Aïcha Kamoaz, quand une affaire se retrouve dans les réseaux sociaux, on a le droit, l'obligation, et même quoi là, elle dit souvent quoi là, de parler. De parler. Voilà. Quand une histoire vient se retrouver sur la toile, voilà, chacun a le droit de donner son avis. Vous savez, quand on est dans les réseaux sociaux, il faut vraiment être dans la vérité. Tchap-tchap, ne viens pas nous signaler notre page. Ne viens pas nous signaler notre page. Tchap-tchap, va nous attendre là-bas. Tu auras le temps de mettre la caméra si tu veux. Ne viens pas nous signaler, tchap-tchap. Ne viens pas. Donne les papiers. Donne les papiers. Tu te maries en octobre. Indique-nous. On va te faire le mariage traditionnel des Ekan. Voilà. Quand les autres... On signale, pardon, mettez les cœurs. Des...
Madame, on ne t'entend pas. Arrête. Attends. Je te descends d'abord, Mojang. Après, relance l'appel. Relance. Relance la peine, les tonnes de luxe. Moi, j'en relance, je te prends. Tchap, tchap, dégage ici. Dégage, arrête de signaler. Si tu es là pour venir signaler le compte des gens, tu pars. Parce que quand tu faisais ton live là-bas, tu n'as pas vu les gens venir signaler ton live. Tu n'as pas vu les gens venir signaler ton live. On t'a laissé t'exprimer. Alors, tu laisses les autres s'exprimer aussi. D'accord? Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Ça bug. Moi, Jean, tu m'entends? Oui, je t'entends. Super, super, tu as monté, c'est bon. Je disais donc, la dernière fois que tu as fait ta sortie, j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça par rapport à ce tribalisme dont tu es en train de parler là. Mais je ne vais pas d'abord aller de ce côté-là. Je vais aller du côté où je vais dire à Salomon Tchapchet ici que Salomon Tchapchet, il faut vraiment que tu arrêtes ce que tu es en train de faire là, parce que ça ne te mènera nulle part. Au contraire, ça fera en sorte que les gens prendront la situation, ça va faire boum. Tu pouvais te calmer. La première sortie d'Élise, ça pouvait faire que tu revois la chose et tu te calmes. Le fait de t'agiter sur la toile, tu mets non seulement en mal Sylvain, tu mets en mal toi-même, parce que les gens vont creuser l'histoire, parce que c'est comme ça quand quelque chose se retrouve dans les réseaux sociaux. Les gens vont aller, ça va pousser, ça va pousser, ça va pousser, ça va faire en sorte que tu vas te retrouver toi-même dans les problèmes et tu vas mettre Sylvain dans les problèmes. Ce que tu es en train de faire là, ça n'aide pas Sylvain et ça ne t'aide pas toi-même. Au contraire, ça empire même encore la situation de Sylvain. Parce que si tu aimais ce garçon-là, tu allais vraiment calmer la situation dès la première sortie d'Élise. Tu allais calmer la situation. Mais à la lieu où vont les choses, tu prends la caméra, tu insultes cette maman-là. Ma soeur, ça ne sert à rien. Élise, je vais te dire une chose. Ce que la maman a raconté l'autre jour, vous m'entendez? On t'entend. Voilà, ce que la maman là a raconté l'autre jour, cette maman a à 200% raison tout ce qu'elle a dit. Parce que quand une histoire se retrouve sur la toile, soyons dans la vérité. Parce qu'à l'époque, quand Salomène a connu ce garçon-là, Salomène a connu ce garçon-là à Genève. Lors d'une sortie de la basse à Genève, il y avait une action du côté de Genève. Et c'est là-bas que Salomène avait connu ce garçon-là. Parce que je me souviens à l'époque, il y a une maman qu'on appelle Maman Élise. Moi, Maman Élise. Appelle-moi le numéro que j'ai envoyé là. Si les gens veulent intervenir. Moi, j'ai épinglé le numéro. Appelle plutôt sur la ligne, non? On ne m'entend pas. Mm-mm. Ça saute. Dès que tu dis un truc, ça saute. Attends, alors j'arrive sur le numéro, je reviens. Tu l'as vu, mais pas WhatsApp, hein? Oui. Il passe seulement à WhatsApp. Oui, il n'y a pas de souci. Je te reviens. Ok, merci. Parce que là, on ne t'entend pas. Quelqu'un a mis une tête de mort ici. Je dégage d'abord la personne qui a mis Topscon, où c'est Topscon, Topscon, Socon, je te dégage de ma page. Tu viens mettre une tête de mort sur mon live. Tu te regardes. Te voici ici. Et te nique d'abord la race. Dégage. Vous n'aimez pas la vérité. Vous avez des frères. Vous avez des sœurs. Vous voulez aussi. Ça ne vous dit pas.
qu'un frère camerounais. Ce qu'on doit même souvent faire, nous, de la diaspora, que quand on voit une situation comme celle-là, on s'unit pour tomber sur la personne pour dire que non, ce que tu fais là est mal. Tap, tap, ce que tu fais est mal. Je t'ai dit que le clash, je vais faire avec toi plus tard, après le mariage, là. Et dès que... Parce que tu viendras toi-même exhiber le papier de Sylvain ici. Alors maintenant, je rentrerai en clash avec toi. Le numéro est là. On l'a épinglé. Moi, tu as épinglé le numéro. Voilà. Le numéro a été épinglé. C'est le... J'ai le numéro là-même, c'est qui? Pour épingler le numéro. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Edith. Bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Je vais d'abord te féliciter parce que tu es une vraie écran de la forêt dense équatoriale. Oui. Parce que c'est toi qui as amené ce problème sur la toile. C'est toi qui es venu taper le pied dans la fourmilière. Parce qu'on ne savait pas que ce garçon n'avait pas de papier. Moi, je les voyais s'exhiber là sur Facebook et moi, j'appréciais leur couple. Et je crois que les gens qui soutenaient ce couple-là, c'est nous les écrans qui les soutenions. Mm-hmm. Parce que tous les bandits, ils étaient là, venaient dire que, oh, c'est un gigolo, oh, il est là pour profiter de toi, machin, machin. Et moi, j'allais m'en commenter que je disais que non, laissez ces gens ensemble, laissez ces gens tranquilles. On voit que tête qui est transformée, qui est devenue belle. Hein? Parce que quand on regarde, quand cette dame était dans le mouvement de la basse, là, à quoi elle ressemblait vraiment, que Dieu me pardonne, hein? Je ne peux pas créer un être humain, mais c'était le jour et la nuit. On voit une femme qui est épanouie aujourd'hui. Hein? Ressemble quand même à une femme aujourd'hui. Mais alors, ce qu'elle vient faire là, franchement, c'est le feu de paille. Et comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas une histoire à tribaliser. Personne n'est contre leur histoire d'amour. Mais on est contre le fait qu'elle garde un gars, elle ne lui donne pas les papiers. Parce que même si c'est un Tchadien, on doit se rebeller contre ce genre d'histoire. Nous ne sommes pas chez nous ici. C'est un être humain. Tu ne peux pas dire que tu aimes un homme et tu n'arranges pas sa situation. Ça veut dire quoi que c'est l'enfant qui est plus important? Les enfants que ce garçon a au Cameroun ne sont pas des enfants. Ce ne sont pas les êtres humains. Et quoi faire du mal à Sylvain, mais faire du mal même à leur propre enfant. Je me demande bien si elle n'a pas donné l'ongunda à quelqu'un d'autre par rapport à cet enfant. Si cet enfant n'a pas été ongundaïsé par quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut qu'elle nous dise la vérité. Tout ce qu'on lui demande, c'est de donner les papiers à Sylvain. Personne ne veut de Sylvain, oh. Personne ne discute Sylvain avec elle. Oh. Comme elle dit que oh, Sylvain, que c'est elle la préférée. Qui discute Sylvain avec toi, tu as peut-être. C'est ton Sylvain. Mais régularise Sylvain. Donne-lui le kaolo. On sait tous que où nous sommes ici. Si tu n'as pas le kaolo, tu n'es rien. Et on sait bien la situation, tout ce qui se passe en France en ce moment. Si tu es sans kaolo, on te prend, on va te renvoyer au pays. Et ce que ce qu'elle est en train de faire, elle fait du mal à son enfant. Elle ne sait pas que leur enfant pourra voir ces vidéos plus tard. Tu crois narguer les gens, mais tu ne nargues pas les gens. Personne ne mange chez toi. Tous ceux qui voient les livres qui parlent, là, Elise a son mari. Elise a un mari. Elise a amené son homme ici au pays, son homme a le kaolo. D'où vient-il que tu es avec un être humain, ton frère? Tu ne lui donnes pas le kaolo. Tu veux tribaliser. Est-ce que entre Bamileke et Kang, il y a même quel problème? On discute même quoi? On ne discute rien, en fait. On s'entend. On va se chamailler, mais on se retrouve entre quatre murs, là. Les enfants naissent. Voilà la preuve. Donc, tout ce qu'on te demande, tu as peut-être donné les papiers. Donne le kaolo à Sylvain, on qui est derrière toi. Tu jacasses là comme un morpion. Tu es tout excité. Tu viens dans les directs répondre. Tu ne dors plus. Je suis sûr que Sylvain, comme on dit qu'il travaille avec les papiers de quelqu'un en train de travailler, tu es à la maison, tu ne lui fais pas manger. Parce que tu vas venir tourner les vidéos où il est en train de préparer. Fais à manger à Sylvain. Il va travailler comme il va travailler avec les papiers de quelqu'un d'autre. Il rentre, au moins il mange, tu lui seras mangé. Oui,
Nous sommes en été, oui. Le foie, là, pendant 6 ans, comment tu fais pour dormir 6 ans avec un homme, tu ne lui donnes pas le cas. Tu es né avec le cas. Est-ce que tu es né avec le kaolo? Quelqu'un d'autre t'a aussi donné le kaolo. Nous ne sommes pas nés avec les kaolo. Donne le kaolo, gars, là, c'est tout. On bénit votre amour. Vous devez même rester ensemble, chapter. Vous devez rester ensemble. Et Sylvain, comment un beau gars musclé, aïe à femme, on nous a envoyé sur la ya femme. Abimé me dit à femme, quand on voit un gars debout comme ça, on dit que, hé, hey, mais à quoi qu'il t'endon, Anaya. Anaya, hé, hey, tu n'es pas venu jouer ici. Et en plus, tu n'es plus jeune. Donc, bientôt, oui, tout n'a dit. Il faut nous faire mouer, ou si on me fait mouer, ou bien moi, ou taïnion, oui. C'est tout ce que j'avais à dire, Élise. Et je te dis bravo. Merci. Ton frère, il n'y a pas de tribalisme là, nos frères de l'Ouest, nous sommes tous des Camerounais. Et même si ça avait été un Tchadien, dites-vous que voilà un être humain qui est en difficulté. On n'est pas contre leur histoire d'amour. Tout ce qu'on veut, c'est que ce gars ait ses papiers et il le mérite. Ce gars a assez honoré, tu as peut-être comme ça devant les réseaux sociaux, à peine de vidéos. Tous même le savent. Tous les membres de la base là savent. Je vais te dire même que beaucoup des membres de la base là ne sont pas contents de la situation de Sylvain. Ce sont même ceux qui ont été les premiers à s'indigner que Tchatchat donne les papiers à l'enfant là. Tchatchat donne les papiers à l'enfant. Avant que ça ne vienne arriver chez moi, ce sont eux qui ont commencé à s'indigner. Ce sont les Bamlékais qui ont commencé à s'indigner de la situation de Tchatchat. Il y a une dame en Suisse qu'on appelle Élise. Hein? La maman là, elle est la première à s'indigner à Tchatchat, que Tchatchat, ça fait des années. Donne les papiers alors à l'enfant. Tu comptes le garder comme ça jusque quand hein? Donc, comme Tchatchat veut vouloir intimider, c'est parce que moi, je ne veux pas passer les voices des gens si on ne m'autorise pas. Je fais écouter le voice de la maman Élise qui est en Suisse, là. Hein? Tchatchat, tu sais que j'ai le voice de maman Élise. La maman Babileke qui est en Suisse, là, à Lausanne. J'ai son voice ici, hein. Qu'elle parle comme elle t'avait dit que laisse, donne les papiers. Max Seigneur. Ivoire que tu faisais, tu menaçais, tu te levais, tu bagarrais toujours avec Max Seigneur Ivoire. Max Seigneur Ivoire a fini par partir. Même quand il a quitté ta maison, tu partais toujours faire les problèmes où habitait Max Seigneur Ivoire. Moi, je t'ai dit que je n'ai pas envie d'entrer dans les détails comme ça là. Je n'ai pas envie de faire le clash avec toi. Parce que si je voulais faire le clash avec toi dans cette histoire, c'est qu'avec tout ce que j'ai ici là, c'est que je suis en mode clash avec toi. Comme mon but, c'est de te faire comprendre qu'au bout de 6 ans, avec un enfant à terre, Sylvain mérite que tu lui donnes les papiers. C'est pour ça que tu vois que je n'entre pas dans ton jeu. Même comme tu veux ramener ça dans le tribalisme, c'est pour ça que tu... Pourtant, je suis chaude, non? Tu me connais très bien. Tu me connais très bien, non? Mais tu me vois que je garde beaucoup de réserves. Je prends sur moi parce que je ne veux pas du tout que cette histoire se retrouve entre les mains des tribalistes et tribalise cette situation parce qu'on parle d'une femme bamlékée et d'un gars écran que toi, tchap-tchap, si tu l'aimes tant, tu lui as fait un enfant, il vit chez toi. Avec toutes les compétences qu'il te montre qu'il a, à un certain moment, baisse ta garde et donne-lui les papiers. C'est pour ça que tu vois que nous sommes là. Et ne pense pas que beaucoup de Bamlékais sont d'accord avec toi. Puisque la lettre même de sans papier de Sylvain vient de là-bas. Je te dis ça. Voilà. Je te dis ça. Même, Élise, ce que je voulais dire aussi, c'est que chapter ne sait jamais autant exhibé avec un homme sur les réseaux sociaux. Sylvain est le seul qui a honoré Tchatchat en vrai. Tout qu'elle arrête ça, un homme te donne du poids, un homme te donne tous les honneurs. D'où vient-il que tu veux venir montrer pour que tu maltraites l'homme? Tu es la première à maltraiter un homme. Tu es la première à avoir le dessus sur un homme. Tu connais les femmes camerounaises, combien on a souvent le dessus sur les hommes. Hein? Tu es la première et toute femme même. Toute femme connaît le point faible de son mari. Toute femme. Oui, pour monter sur la tête d'un homme, hein, ça ne demande même pas. Toute femme connaît le point faible. Mais tant que tu veux montrer aux gens que tu as un homme dans la maison, tu ne viens pas. Tu ne viens pas le rabaisser comme ça, tu ne viens pas l'humilier comme ça dans les réseaux sociaux. Tu ne viens pas monter dans les réseaux sociaux que c'est toi qui commandes. Il faut arrêter ça. Parce que nous, les femmes, même dans nos foyers, tu commandes ton mari à la maison, mais dès qu'il y a un étranger qui rentre, non, tu donnes la place à ton mari. Tu ne permets pas que les gens sachent que c'est toi qui commandes.
Donc, il faut arrêter ça, chapter. On n'est pas contre votre amour. Oh. On souhaite même que vous restez ensemble, oh. Mais donne les papiers à Seda, parce qu'il le mérite, parce que c'est un être humain. Parce que nous sommes tous ici, nous ne sommes pas chez nous, nous sommes venus nous chercher. Il est hors de question que tu perds du temps comme ça à quelqu'un avec qui vous avez un enfant de surcroît. Il faut arrêter ça. Si tu veux même, donne-nous seulement la date du mariage. Moi, je commence à faire, j'achète ma tirelire, je commence à mettre l'argent dedans. Tu sors le pain, je vais acheter le pain, je viens au mariage là. On peut même vous faire un cadeau. Oui, on va ouvrir un litige. Elise va ouvrir un litige, là, on va vous faire un cadeau. C'est tout ce qu'on te demande. C'est tout. Personne ne discute en cinéma avec toi. Donc, Elise, merci beaucoup et bonne journée et bonne continuation. Merci. Les gens ont des combats ici. Ça, c'est un combat neuf. Merci pour ton intervention très sage. Merci. Oui, et bonne journée. Donc, moi, j'ai déjà ouvert ma tirelire. Il a mis le numéro, je ne le vois pas épinglé, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'on a beaucoup de temps. On a beaucoup de choses aujourd'hui. Vous voyez, on a un homme venu dire à Mondovision que on lui a dit que est-ce que le papier est plus important que l'enfant? Sylvain, c'est le premier enfant, mon frère. C'est le premier enfant. Tu peux être bête comme ça, mon frère. Tu peux être bête comme ça. Tu peux être bête comme ça. Bon, s'il n'y a plus quelqu'un pour appeler, moi je vous dis au revoir. Mais quelle heure? C'est bon pour aujourd'hui. Chap-chap, bring back papier à Sylvain. Et ne pars pas annuler le mariage là, comme tu avais déjà annulé plusieurs. Ne pars pas l'annuler. Si Sylvain est ton homme, il va rester avec toi. Ouah. Tu paniques quoi? Tu paniques quoi? Si c'est pour toi, c'est pour toi. Hein? N'oubliez pas demain, on a notre grand live. Bonne journée à vous tous.